tous, salut à toutes, c'est Antoine Adoré 1 et aujourd'hui on se retrouve pour le vlog sur le Castres Showgame. Voilà, vu que je suis à Castres, je vais y aller. Et aujourd'hui, on est vendredi, il est presque 23h, je vais aller me coucher. On se retrouvera demain pour le Castres Showgame. Avant de vous laisser et de vous retrouver demain, j'ai mon cosplay, j'ai reçu ma mère, elle m'a envoyé. Elle a juste oublié de me mettre les bandes sur les poignets que met Red. C'est pas grave, hein. On va faire avec. Allez, à tout de suite. Voilà, on est au milieu de la journée, je me rappelle que j'ai oublié de faire l'intro. Alors on est au Castres Showgame, voilà. On y est.
alors il y avait un concert du Metal Geek. Si tu regardes cette vidéo, salut à toi, t'es génial. Pour aller le voir, il sera dans l'outro. Viens, prends une photo. Oh, la semaine de ta vie. Merci. Au concert du Metal Geek, il y avait un événement. Genre, il chantait la chanson de Pokémon. Et puis, au bout d'un moment, il y avait son pote Manu qui arrivait et qui a lancé des Pokéballs. Les deux jours, j'ai réussi à en attraper une. Ceux qui attrapaient la Pokéball gagnaient un cadeau. Alors, les cadeaux, je suis vraiment content parce que c'est des cadeaux super rares. Normalement, on offre ça aux youtubeurs. Le premier cadeau, le premier jour que j'ai eu, c'est Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, édition promotionnelle. Donc du coup, on ne peut pas la trouver à l'avance. Et bien sûr, c'est sur Xbox One, parce que j'ai la Xbox One chez mes parents. Et le deuxième jour, j'ai eu un putain de jeu. Alors ça, c'est vraiment un super jeu, j'ai jamais joué. Mais j'ai toujours voulu jouer, d'ailleurs, ils sont toujours sous blister. The Witcher 3, toujours en édition promotionnelle. Putain, ça hype de ouf ce truc. C'est magnifique. Regardez, regardez. C'est écrit en anglais et tout. Il n'y a que le petit attention là qui est écrit en français. Voilà. Les acteurs de Star Wars. En fait, il y avait, je crois, c'était deux Stormtroopers, je suis plus très sûr. Et puis après, t'avais un Ewok. Le Ewok qui avait joué aussi dans Harry Potter. Un gobelin dans Harry Potter 2. Pour Paul Kemp, il a passé l'audition, en fait. Et ils ont été retenus pendant l'audition. Il a été retenu pendant le tour. Ensuite, il est allé pour essayer les costumes. Et ça s'est bien passé. Il a été retenu et c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Yes, the mic case is a little bit different. In the newspapers, they published an article saying they needed little guys to play Ewoks in Return of the Jedi. And I didn't actually see it, my mother saw it and she told me about it, and I saw the article. So I got in touch with the studios and explained who I was and that I was just a little guy. And then I went to the studios to see them, and they saw me, and as soon as they saw me, I was whisked up to a wardrobe and measured up for a costume. Donc, sa mère a vu un article en fait dans les journaux qui disait qu'ils cherchaient des gens de petite taille pour jouer des Ewoks. Et donc il a contacté le studio, il y est allé. Et dès qu'il est arrivé au studio, ils l'ont envoyé directement au costume. Ils l'ont mesuré et puis c'était parti. Okay. Ensuite, il y a eu un concours cosplay. Alors, je me suis fait des amis et ils étaient au concours cosplay. Alors, dédicace à vous les potos de la Family Friug. Pardon. Thank you.
Hadouken. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Thank you.
voici Chloé Price, un personnage inventé, une interprète de son caractère bien réelle. William Blake, mais en ce moment, tous me surnomment le poisson d'âme.
et des abysses. Je vous raconte aujourd'hui mon histoire, celle d'un homme qui connut la mort dès son plus jeune âge et finit par la rencontrer, recevant ses cinq de chair qui sont mes compagnons. Certains pensent que notre destin est scellé. Pour moi, il n'a jamais existé. Ce qui est déjà mort ne saurait mourir, ainsi fut la pensée qui nous guidait. Ce qui est déjà mort ne saurait mourir, ainsi fut ma pensée, quand elle me fit revenir. Ce qui est déjà mort ne saurait mourir, ainsi j'évoluais en comprenant cette pensée. Ce qui est déjà mort ne saurait mourir, ainsi fut ma pensée, quand le destin du monde fut déversé. Un autre point, tout à l'heure, au concours de cosplay, il y avait un cosplay de Alice. Et normalement, c'est ma pote Chidilia qui fait les cosplays de Alice. Ça m'a fait un peu bizarre. Voilà, si tu regardes cette vidéo, Chidilia, mets un commentaire et laisse un pouce bleu. Alors, je me suis absenté 20 minutes de la convention pour aller chercher de l'argent. Le distributeur est assez loin. J'ai acheté une box. C'est un peu une good box, mais sur Harry Potter, ça s'appelle The Holistic Magic Box. Avec des stuffs qu'ils ont fait eux-mêmes ou des stuffs sur Harry Potter. Voilà. C'est une licence que j'aime bien, Harry Potter. Je suis pas un fan, mais j'adore. Enfin, mais j'aime bien. C'est mon enfance, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la convention du Castre Showgame. Pour moi, c'était une super convention. Il y en a qui disent qu'elle est pas très bien, mais ça, c'est parce qu'ils sont invités aux grosses conventions et pas à ça. Et sinon, c'est parce que. Ils n'ont pas été vraiment dans l'ambiance du truc, voilà. Et moi, je peux dire que c'est une super convention parce que je me suis fait plein d'amis. Voilà. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je suis bientôt aux 100 abonnés. Sur ce, tu peux aussi t'abonner dans la description. Il y a mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram. Et tu peux aussi checker mon dégât tarte. Tu peux aussi laisser un pouce vers le haut noir, parce que là ils sont plus bleus. Et sur ce, restez comme vous êtes, car vous êtes super, vous êtes génial. Ciao.